Zelda la contourne. Et salut à tous, ici Gold Creeper et je suis dans mon magnifique bateau en compagnie de Avakiremian qui ne ferait bien de se reculer un peu si tu veux pas. Alors, on dirait qu'on est arrivé dans la troisième zone. Oui, la troisième zone. En sachant que bon. On va l'ajouter officiellement à la liste de nos trucs, mais je suis pas sûr qu'on commence un peu à l'explorer maintenant ou. Ouais, bah oui, oui. On va prendre la canne à sucre déjà, comme ça on va pouvoir faire des bibliothèques. Enfin. 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 Oh, des blocs de le bloc de gold. Gold. Oh mon dieu, des mieux, encore mieux, des cactus. Oh, du cactus. Oh. Alors, il y a. Je pense qu'en fait un petit aller-retour à la base serait plus que bénéfique parce que je sais pas toi mais moi je suis absolument full de la vie. Moi je commence à l'être aussi. Et tu commences seulement parce que moi j'ai plus aucun espace libre. Ah mais remarque j'ai deux bateaux dans mon inventaire aussi. Ah oui, faut les outils ça. Puis j'ai des pommes d'or, j'ai tout ce qu'il faut. Il me semble qu'il y avait deux grandes statues quand j'ai regardé la map pour la première fois. Je borde cette potion swiftness. Hop. Tu es où avec? T'es un riche. Ah ouais d'accord, on s'est cassé. Ouais. Il me semble qu'il y avait deux grandes statues, mais j'ai l'impression que le serveur arrive pas à les faire apparaître les deux en même temps. Si, moi je vois. Hein. Oui, mais toi tu filmes pas. Mais je sais. Peut-être faut que tu les régénères. Enfin. Approche-toi bien et. Mais là je suis en dessous quoi et je vois pas le haut de la statue, voilà. Donc on a une statue en or et une statue en fer. Donc bon, je pense que c'est de parcours lol. Donc tu veux faire lequel? L'or ou. Ouais, je prends le fer et toi tu prendras l'or. Ouais. Alors, challenge difficile, le mien. Challenge insane. Ah ah, je prends le insane alors. Pourquoi? Parce que c'est plus dur que difficile. Je veux bien te laisser l'or pour une fois, après tout, on ne peut jamais. Alors déjà le premier jump je le rate alors que c'est un jump de 1 bloc, c'est alors là, c'est bien parti. Déjà le parcours de jump et moi ça fait 5. Ma vanne ça. Ah oh ouais là il est. C'est vrai qu'il est insane ce truc. Ouf. Oh, mon coccyx. Il y a le petit bloc pour te faire chier. Ouais, c'est ça quoi. Allez, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Il ne s'est rien passé, les gens. Quoi? Mais rien. Justement. Il y a le pied du mec là qui me fait chier. Avec faisant du parcours. Oui, et si en même temps, moi si je pouvais sauter, je sais pas, mon clavier me fait des blagues, tu vois, c'est. J'appuie sur espace et non. Non, tu tombes, rien à foutre. Depuis quand je t'obéis, moi je suis un clavier, moi je suis un malade. Regarde, en gros là j'ai. Aïe, oula, ça doit faire mal. Bon. Du saut au millimètre, c'est même pas. Au micro-bloc, tu veux dire. J'avoue que le mien il est très hardcore. Mais bon. Quelle serait la gloire à gagner des parcours faciles? Ouais, enfin, toi t'arrives à les faire les parcours, moi j'arrive pas à les faire. Ouais, bah pour l'instant là, avec la blague du parcours qui tient pas là. Je suis sûr que je le fais pas. Hein. Non, il avec le jump qui me fait des blagues, des petites. Oh là là. Oh, j'ai enfin passé la première étape. Oh, oui. Victoire. Espèce d'enfoiré. Non, je peux pas enfuir. Regarde où il est le truc pour moi. Regarde où il est. Putain, il arrive. Putain! Voilà! Bon, allez, tu me laisses tranquille maintenant. Mais non, mais qu'est-ce que ton connard? Aïe! Tu te rends compte que je vais devoir recommencer tout depuis le début maintenant? Exactement. Casse-toi! Tiens, tu retombes comme moi! Soumets-toi à la grandeur d'Anubis! Tiens, d'ailleurs, il s'appelle comment le mien? Je sais pas. Ah non, c'est pas. Attends, c'est Ra ça? Ah ouais, d'accord. Ra en fer j'étais presque. Et Osiris en or, ou en fait ça fait du sens. Mais non, en fait ça fait pas du sens parce que Osiris c'est le dieu des pharaons, enfin, c'est le dieu des morts, mais un peu c'est un peu compliqué dans la mythologie égyptienne. Mais par contre Ra c'est le dieu du soleil. Tu m'expliques qu'il est pas en or? Je sais pas, je suis pas fervent de la mythologie égyptienne. Bah, moi si, je te dis.
Comme le créateur de la map, je suppose. Je sais pas, je ferais des 7 spawns parce que tellement que ça me fait. Je sais pas, il peut pas faire de checkpoint. Mais si, il y en a. Il y a un checkpoint ? Oui, oui. Oh le gros bâtard. Bon, j'essaie de faire ça réglo quand même. Moi je te dis, regarde, là, j'ai appuyé sur espace et j'ai pas sauté. Et je me prends 3 coeurs de dégâts en tombant. Ah, peut-être il y a le lag qui peut jouer. Ouais, bah le lag dans du parcours. Bon, attends. Bon, d'accord. On va se concentrer, on va y aller doucement. Je crois que. Doucement! C'est un vrai. C'est le parcours du démon ce truc. Aïe. On a dit doucement! Bon, bah j'ai régène hein, pendant ce temps, hein. Pendant ce temps, Gold Creeper mange du melon. Parce que le melon, c'est bon. Moi, je mange des pommes. Parce que Apple Jack. Non, je sais plus comment. J'arrive pas à faire ce son, ça doit être une des rares catch-trucs. Oh, bah moi aussi, j'ai fait du tchèque. Ouais, c'est un truc de Bob, ça, mais. Oh mais c'est pas bien, il cheat monsieur l'arbitre. Aïe. Checkpoint. Voilà. Oui. Non. Bon. Maintenant que je suis arrivé là. Oh mais ça a l'air, à partir de là ça a l'air faisable. C'était juste l'autre qui était vraiment galère je pense. Yo. Pareil que des millions de gens dire mais c'est facile ton saut là, mais là moi. Aïe, j'ai cru que j'allais mourir cette fois. Alors, genre la vraie mort, la mort sale, tu sais. Par contre, ce jump là, il est autant ce jump là, il est faisable, autant ce jump là, je suis obligé de mettre un chemin là parce que. On cheat comme des gros porcs, on s'en fout, c'est collé à la. Non mais attends, mais regarde-moi ce parcours. Là j'avoue, le mec quand il a mis insane, il avait raison. Mais bon, je reconnais qu'il est globalement très dur. Il reste faisable. Mais le truc c'est qu'on n'a pas non plus 50 ans hein. Et que là on est en train de prendre mais tout notre temps. Bon, on a encore à peu près 10 minutes mais. Je suis regarde, je suis lâche. Voilà. Moi, le problème, c'est que j'ai un dernier saut, mais il est quasiment faisable. Alors, Ramonument, qu'est-ce qu'ils nous disent de... Par curiosité, je vais lire le bouquin. Hop. Fuck you. Saut de slot. D'accord. Donc, ok. Donc, de l'XP à mort. Et une épée en diamant. Je dois faire quoi maintenant? Et apparemment. J'ai encore des sous après avoir fait ça! Et après il me dit, bah attends, tu sais quoi, je vais venir t'aider. Oh, mais ça va, j'y arrive, c'est juste que c'est. Non, mais j'ai envie, je suis curieux en fait de ton parcours, donc je vais essayer de le faire. Non, en gros, hop. Il va me ridiculiser encore. Mais c'est facile ça! J'aurais pu le faire. Voilà, attends, on va voir. Bon, pour l'instant, bon, c'est des jumps de 1. C'est pas le plus dur. Ah, mais il fallait sauter là. Ouais. Ouais. Nyeh. Oh putain. Ton micro. Je sais, mais là. T'es juste en train de le déglinguer. Non mais je pète tellement un câble. Saute. Après avoir fait les sauts, tu vois, tu t'y habitues. Mais c'est. Ah, oh, punaise. Je te demande comment je l'ai fait ces sauts. Hein.
What? Oh. Merci Gold, hein. Nous, quoi, Doudou, c'est ma faute. Tu m'as frappé, hein. Non, je t'ai pas frappé. Bon, bah pourquoi j'ai pris un. Ah, bah, c'est moi qui. Bon, j'en ai marre là. Tu fais TP à toi là. Voilà. Ah ah, très bien. Hop, 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 hop. Ensuite. D'accord, tac. Ensuite. Ah, je rate toujours ce jump là. Je sais plus où j'en suis là. Là, c'est tout là-bas, là, en face. Attends, je vais essayer de le faire. Attends, mais. Oh oui, ça... C'est impossible. Je te déconseille de TP à moi. J'ai réussi à me TP avant. Ouais, je voulais vérifier une théorie en fait. Non, c'est pas possible. Je pensais qu'en fait c'était un troll ce jump et qu'il pouvait pas être fait. Et en fait, il fallait passer sur le côté. Et je. Et il y a un arc magnifique que je te laisse. Ouais. Bah, tu vois, on avait bien guess nos parcours. Bah, ils étaient galères. Hein. Ouais, mais. Encore du spawn wolf et des émeralds. Hein. Bon, bah maintenant on a plus qu'à se casser toutes les jambes en descendant. Hop. Pour ceux qui en ont plusieurs, je précise. Alors, diamond block supplémentaire, des golden apple, des bottles de je vais, je vais rien dire, d'accord. Quoi? Quoi? Je vais rien dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, par rapport à ta réflexion. Comment ça? Non, rien. Explique-moi. T'as une flèche qui s'est plantée, mais alors dans le casque. Alors, j'ai eu un, je sais pas. Ah, t'as pris le livre ou pas? Ou c'est moi qui l'ai eu? Non, c'est toi qui l'as dû prendre. Anubis Monument. C'était Ra. Le tien, c'était Ra ou c'était Anubis? Non, moi, c'était Anubis. Toi, ah oui, Anubis. Donc, oui, non, donc ça a encore moins de sens. Après, etc. D'accord, donc apparemment, moi, pour toi, il a mis des jours à. Enfin, il a mis des heures à passer le truc. Et pour moi, il a mis des semaines. Des semaines. Alors, apparemment, on peut pas passer. Ah ah, la porte... tour des dieux, challenge difficile. Je sais pas, il y a une porte d'entrée, moi. Et de ton côté le Black Labyrinthe, challenge medium. La tour des dieux, challenge. Labyrinthe noir, challenge medium. Ah, et moi, il me disait dans mon livre que les trucs de lave cachaient des trésors. Enfin, que la lave cache des secrets. Enfin, en gros, des trésors. Bon, allez, on va continuer légèrement l'épisode, je pense. Alors, je vais dire un truc. Vu avec mon texture pack, je croyais que ça, c'était du vide. Donc, j'ai assez. Et voilà. De quoi, voilà. Évite de faire exploser des creepers, ce serait dommage de mourir dans la lave en boucle. Y a un game rule pour éviter que les mobs explosent. Ah, bah tiens, il y a des gens intelligents qui font des maps maintenant, c'est nouveau. Je te rappelle qu'on a fait aussi une vidéo critique Gold. Ah, c'est. Je suis en train de one shot le parcours là. One shot. Non. Ils sont allés sans moi. Allez, casse-toi. Je tourne là. C'était le frère de Gold Creeper. Ouais. Oui, je suis littéralement en train de one-shot le parcours. C'est ça. Qui est très long. Putain, je. Mais si, je suis en train de tourner en douille. Mais. Voilà, donc je pense que je suis arrivé à une fausse sortie. Donc ça devait être pas très loin. Oh, je me suis perdu. Ouais, c'est par là, normalement. Non, mais j'étais à côté de toi. Hein. Non. Si. Trouvé ! Il y a de la merde. Je prends tout le loot. Mais y a rien. Mais tu m'as tué pour 4 pommes, c'est le type. Il a rien à faire de sa vie, quoi. Tiens, en passage, hop. Pourquoi? Hop, sorti du labyrinthe, TP-toi sur moi maintenant. Oh l'enfoiré. Voilà. Oh putain, je suis tombé dans. Je pensais que ça marcherait jamais, tu sais, je me suis dit, non, il est trop intelligent et. Oh de quoi?
Oh. Hello there. Bon bah j'ai un meilleur arc que le mien. Que le quoi? Je sais pas, apparemment l'endroit où j'étais c'est une sortie alternative avec... Enfin c'était la seule bonne sortie apparemment en voulant revenir à l'entrée. She's let stone break. Ah d'accord, le type jeu de mots pourri. Are you amazed? Bref. D'ailleurs je te conseille de ne pas tomber dans la lave. Il y a une looting 3 qui est plutôt pas mal. Ouais mais bon c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Alors apparemment on doit passer à travers le sable. Hop. Voilà. Bon, on est sorti. Oui oui, on est juste en dessous là. Et maintenant on a la tour des dieux à faire. Et ce sera pour le... C'est quoi? Ce sera pour le prochain épisode. Bon, allez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, allez vous faire foutre. Et à ciao, bonsoir. Qu'est-ce qu'il écrit? Oui. Oui.